بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تقبل الله منا ومنكم الصيام والأعمال الصالحة et bienvenue chers téléspectateurs de Ummah TV dans votre émission le mois de Ramadan ou le jeûne du mois de Ramadan dans le Coran. Après avoir expliqué brièvement que le jeûne du mois de Ramadan a été inscrit et que l'indication d'Dalil avec une explicité extrême, nous allons passer à lire d'abord le premier verset coranique sur le jeûne du mois de Ramadan, en arabe et en français bien sûr, et nous allons commencer, inshallah ta'ala, notre voyage dans les textes révélé, le texte révélé sur le jeûne du mois de Ramadan. Le premier texte, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Ô vous les croyants, le jeûne vous est prescrit. J'ai pris la traduction la plus simple. Je vais m'arrêter par contre à يا أيها الذين آمنوا. Ô vous les croyants. Alors, on s'est aperçu dans le Coran que à chaque fois qu'il y a l'ordre d'appliquer, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, un ordre de rite, de l'ordre du cultuel, il y a toujours cette précision, cet appel, cette interpellation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous les croyants. Le langage, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala est destiné à ceux qui croient. Et je crois que là, on a beaucoup à dire, beaucoup à apprendre, et c'est important pour nous tous, en tant que jeûneurs d'abord, en tant que et musulmans, de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, celui qui a donné l'ordre de jeûner, il s'adresse à la foi. Pourquoi faites cette précision? Pourquoi ce détail de « ô vous les croyants » Mais si vous permettez, avant de répondre à cette question, il y a aussi une interpellation, il y a une question capitale, très importante, qui est celle de celui qui nous ordonne, celui qui nous appelle, celui qui, nous parle, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, c'est le créateur. Ça veut dire que celui qui a le droit de donner des ordres. Et celui qui est au niveau de l'hiérarchie, au niveau de la nature, disons, de la création, il est le créateur et nous sommes la créature. D'où l'importance d'intégrer le sens de l'obligation. Vous savez, dans n'importe quelle hiérarchie, dans n'importe quelle relation humaine, on a toujours le patron et on a l'ouvrier ou celui qui travaille. En fait, c'est tout à fait normal, vous savez, il y a l'ordre qu'il faut respecter. Et là, on est bien dans l'ordre du respect, on est dans la nature des relations entre le créateur, le législateur, celui qui ordonne et celui qui reçoit l'ordre. Je dis ça parce que beaucoup, en fait, s'étonnent comment nous, les musulmans, on jeûne sans qu'il y ait un pouvoir exécutif réel. Puisque nous savons très bien que on s'est aperçu que nous, les jeûneurs, des millions sur Terre jeûnent juste parce que ils ont su, chacun à sa manière, bien sûr, que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de jeûner. Là, on est dans réellement le respect de cette relation qui est très très importante pour nous les musulmans, puisque à partir de cette relation, nous faisons confiance totale au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne se pose pas la question qu'est-ce qu'il y a derrière cette ordonnance et pourquoi Dieu nous ordonne de faire, puisque la relation de Créateur-créature, elle nous impose l'obéissance et la soumission. Ô vous les croyants. Et là, on voit très bien le sens de vous les croyants, puisque
si nous laissons à l'être humain à réfléchir sur jeûner, il ne pourra jamais jeûner, puisque au niveau de la raison, on peut philosopher, on peut discuter, on peut négocier, on peut aussi négliger, on peut dire que, en fait, moi, j'ai pas besoin de jeûne parce que, voilà, je suis en bonne santé. Alors qu'en réalité, ô vous les croyants, c'est adressé à la foi qui seule est capable de nous donner toute la force, la volonté de jeûner avec des longues journées, avec une chaleur, avec une fatigue, avec une soif, avec une faim. En fait, c'est ce qui explique aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup s'étonnent. Comment? Comment vous pouvez jeûner? On peut jeûner, c'est parce que le jeûne, il est porté par une foi solide. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à la foi. Il s'adresse à notre croyance. Il s'adresse à notre conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne l'ordre et nous, nous exécutons. Espérant que nous répondons à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous croyons en lui et parce que nous avons confiance en lui, parce que aussi la foi exige de nous l'obéissance et la soumission. Chers téléspectateurs de Umma TV, nous retrouverons demain, inshallah ta'ala. Taqabbal Allahu minna as-siyam wal a'mal as-salihah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.